Quand quelqu'un vous sourit avec authenticité, qu'est-ce que cela provoque en vous? Personnellement, je me souviens des années après de la sensation qu'ont imprimé en moi certains sourires, comme être ensoleillé de la tête aux pieds et porter cette chaleur tout au long de la journée. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Parler de soi pour explorer les mille et un mouvements de votre corps et de votre âme, développer votre équilibre, votre sentiment d'unité, votre intuition et votre créativité. Dans cette vidéo, vous découvrirez la stratégie du comme si pour déclencher à volonté des ondes de bien-être. Ensuite, Léa, illustratrice, vous fera découvrir dans sa rubrique Voix l'art, l'artiste contemporain Miguel de Souza et son tableau Le Sourire. À la fin de cette vidéo, je vous inviterai à esquisser avec moi le sourire intérieur d'inspiration taoïste pour diminuer le stress et revitaliser vos organes. En bonus, à la fin de cette vidéo, l'e-book gratuit En route vers le bonheur, un e-book illustré et de nombreux exercices pour booster votre bonne humeur. À tout de suite, après le générique, et pensez à vous abonner. Le cerveau est étonnant. Bien qu'il soit le siège de nos intelligences multiples, il se laisse facilement tromper. Contentez-vous de penser à un énorme gâteau et le voilà qui déclenche sa batterie de réactions chimiques. Vous salivez. Imaginez-vous régulièrement faire des exercices de musculation et votre fibre musculaire s'intensifie. Il en est de même pour les émotions. La ruse comportementale consiste à faire comme si l'événement qui provoque l'émotion souhaitée était déjà arrivé. En d'autres mots, si vous souhaitez vous sentir plein de joie, faites semblant de sourire. Ouvrez les yeux, laissez les commissures de lèvres remonter et automatiquement, le cerveau fait le travail, la joie vous inonde. C'est la tactique du comme si. Elle vous permet de changer rapidement d'humeur. Par exemple, si vous avez un rendez-vous immédiatement après une contrariété. Si vous ne voulez pas être contaminé par les émotions négatives autour de vous ou tout simplement si vous optez pour l'optimisme et la joie. Bonjour et bienvenue dans l'instant Voix l'art. Je vous propose de découvrir une œuvre de l'artiste contemporain franco-portugais, Miguel de Souza, et d'entrer dans son monde de peinture et de collage au style enfantin et poétique. Regardons ensemble son tableau de petit format qui s'intitule Le Sourire. Dans cette toile, le sourire est au centre de la composition. Il occupe presque toute la largeur de la toile. Le personnage donc l'étire de ses mains comme s'il voulait l'accrocher à ses oreilles, peut-être pour ne pas le perdre, pour qu'il se maintienne. La couleur de fond est entre turquoise et vert d'eau. Elle vient contraster avec le visage qui est badigeonné de blanc, aux joues roses. La palette de couleurs est joyeuse et tendre. Le sourire est rouge. On ne sait pas s'il s'agit d'un adulte ou d'un enfant. Comme si le sourire venait effacer la barrière de l'âge. Voilà, Art, j'espère que ce tableau vous a redonné le sourire ou vous a donné le sourire. À bientôt! Le taoïsme est le fondement de la philosophie et de la médecine chinoise. Il est à l'origine de l'acupuncture, de l'acupression et de la méthode Feldenkrais. Le taoïsme postule que l'harmonie et l'équilibre sont essentiels à la santé et à la créativité. Cette vitalité n'est atteinte que lorsque le chi, ou énergie vitale, circule librement dans le corps. Selon la médecine chinoise, ce qui bloque la circulation de l'énergie, ce qui fait des nœuds, ce sont les émotions dites négatives, comme la colère, la peur, la cruauté, mais aussi l'excès d'émotions positives, telles qu'une joie et une excitation démesurées. D'où la préférence pour le sourire intérieur que je vous invite à pratiquer avec moi à présent, tout du moins dans son esquisse, avec l'intention de faire du bien à tous vos organes. Bien que le sourire intérieur taoïste soit un voyage dans tout le corps qui suit un parcours codifié, cette esquisse sera suffisante pour vous apporter du bien-être et vous donner envie d'en connaître davantage. Asseyez-vous de façon à ce que vos fesses soient sur le bord de la chaise.
vos jambes écartées de la largeur de vos hanches, les pieds au sol, dos droit et menton légèrement rentré. Fermez le circuit des mains en plaçant la main gauche dessous et la main droite dessus. Fermez les yeux. Inspirez et expirez normalement. Contentez-vous d'observer votre respiration. Imaginez à présent que vous voyez apparaître une personne, un animal ou un endroit que vous aimez. Votre visage entier. Sentez cette énergie qui détend votre visage et qui pénètre profondément dans les muscles faciaux. Sentez-la réchauffer tout votre visage. Laissez-la descendre dans votre bouche et étirez-en doucement les coins. Laissez-la aller dans votre langue. Remuez le bout de la langue. Placez votre langue contre le palais et gardez-la ainsi. Si vous avez une douleur quelque part, une tension, dirigez votre sourire vers l'organe ou la partie concernée et continuez à respirer normalement avec l'intention d'accroître votre bien-être, votre équilibre intérieur. Inspire, expire. Quand vous souhaiterez arrêter l'exercice, remuez doucement les doigts de pied, défaites doucement vos mains, ouvrez doucement les yeux et prenez le temps de redécouvrir l'espace autour de vous. Puis reprenez votre journée. Fin de l'exercice. Si vous souhaitez en savoir davantage sur mes ateliers créatifs et mes séances de coaching de carrière, comment harmoniser votre vie professionnelle et personnelle, vous trouverez toutes les informations sur parlerdesoi.com. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.